elle va jusqu'à 6 mois. Et il y a un certain nombre de modules qui leur sont administrés, notamment l'éducation financière, c'est comment gérer par exemple leur revenu quand elles sont dans le mouvement, le genre, pour savoir, pour ne pas que ça ait des impacts au niveau des femmes dans la communauté, pour ne pas qu'elles changent d'attitude parce qu'elles sont devenues suffisamment riches, ou bien pour ne pas qu'elles manquent à leur mari. À côté de cela, il y a l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pour leur montrer comment identifier les AGR, afin qu'elles s'orientent vers des AGR qui sont vraiment viables. Mais dans certaines communautés également, il y a des AGR qui sont interdites aux femmes. Ce sont des AGR purement masculines, par exemple le cacao. On voit dans certains autres où c'est l'apanage des hommes. L'entrepreneuriat encourage par exemple les femmes à s'aventurer vers des AGR qui étaient traditionnellement le fait des hommes. Et à également intensifier leur confiance en elles pour mener cette activité-là. Donc si elles ont fini ces différents modules et qu'on juge que le gouvernement atteint le seuil de maturité, à ce niveau-là, on s'assure que leur cotisation minimale soit atteint un certain seuil. Et cela dépend de l'établissement bancaire en face duquel on se trouve.